C'est un anniversaire fêté comme il se doit la semaine dernière à la cité scolaire Julie Daubier, les 30 ans du BTS CRSA, conception et réalisation de systèmes automatiques, anciennement BTS MAI. Et à cette occasion, l'amicale des étudiants du BTS, l'équipe pédagogique et le proviseur Michel Mongenot ont organisé une grande soirée de gala où étaient conviés anciens étudiants, entreprises, enseignants ou partenaires institutionnels comme la région, le rectorat ou la ville de Romba, représentée par son maire Lionel Fournier. Voilà, moi je suis ici simplement pour vous transmettre un message un peu d'optimisme dans ce monde ou dans cet océan de pessimisme à l'heure actuelle. Et nous avons tous les atouts pour repartir, monsieur le proviseur, et vous êtes en première ligne sur ces sujets au niveau de la formation de nos élèves. Chaque intervenant a mis en valeur ce diplôme qui a formé depuis 1992 près de 450 techniciens supérieurs, dont certains étaient présents cet anniversaire et qui sont revenus sur leur parcours, insertion professionnelle ou poursuite des études. Et j'ai ressenti vraiment une vraie passion des professeurs pour leur domaine respectif. Et particulièrement pour moi, l'automatisme. Et du coup, la découverte d'automatisme a vraiment été une vraie découverte, évidemment, et quelque chose d'évident. Un BTS unique pour des expériences différentes et surtout pour des perspectives d'embauche ou de stage dans les entreprises du secteur. Voilà le message qu'ont voulu faire passer les acteurs de cette formation à l'occasion de cet anniversaire qui s'est clôturé par le verre de l'amitié.